Salut tout le monde, dans cette vidéo de GCL en français, on vous a fait un top 5 des choses à ne pas faire sur le mur. Oh, t'es sérieux là? Le premier point à éviter, en particulier pour les routiers qui utilisent des chaussures à semelles rigides avec des cales automatiques, c'est de marcher avec. Parce que vous allez abîmer à la fois la semelle et aussi la cale et il faudra les changer plus vite. Comme Chris Froome pendant le Tour de France dans le Mont Ventoux qui a décidé de se mettre au trail, quoi. Ouais, évitez encore plus de courir avec parce que le sprint, c'est clairement un risque de chute assuré. Comme l'a fait Flo dans l'intro, évitez de vous moucher sur vos collègues, c'est pas cool, et surtout en période de Covid. Donc à la limite, mettez-vous à l'arrière du groupe, vous prévenez, vous vous écartez, vous lâchez votre petite bite. Toujours à éviter lorsqu'on est en groupe, un changement de direction brutal sans prévenir les collègues. Loïc a fait pour ça une excellente vidéo sur tous les signaux du cycliste pour prévenir au mieux les copains. Allez la voir. Un thème toujours plus d'actualité à ne jamais faire sur votre vélo. Jetez vos déchets n'importe où dans la nature. D'abord parce que c'est notre terrain de jeu et qu'il faut le respecter. Et ensuite parce que clairement, votre déchet il va rester là pour longtemps. Et toujours dans l'alimentation, pensez à partir avec un bidon plein, déjà avec un bidon, pas comme moi. Et pour le remplir, les ruisseaux, tout ça, méfiez-vous, souvent l'eau n'est pas potable. Petite astuce, les cimetières, il y a toujours un robinet. Autre chose à ne pas faire, mettre des sous-vêtements sous son cuissard. Le cuissard est fait pour amortir et protéger. Alors si vous rajoutez des sous-vêtements, les coutures peuvent vous blesser et ça devient très inconfortable. D'ailleurs, j'en ai marre de ranger vos affaires. Désolé, poteau yo-yo. Bon, en tout cas, on espère que cette vidéo vous sera utile afin d'éviter quelques erreurs sur le vélo. Évidemment, vous aurez remarqué, on aurait pu aborder le sujet de la sécurité routière et tout ce qu'il ne faut pas faire pour contrevenir justement au code de la route. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo, donc restez bien connectés sur GCN en français. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Et n'oubliez pas l'application GCN. Allez, bisous. À bientôt.